Shalom, shalom, à cette date du samedi 20, à cette date du samedi 20 août 2016, le professeur Joël Crasso depuis Madrid, mon hôtel, je fais une annonce capitale. Vous savez, chaque homme de Dieu, Dieu a donné un ministère et puis un don. Voilà, c'est ce qui fait que Dieu est un Dieu d'ordre. Comme vous lisez dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4, jusqu'au verset 6, la diversité de ministères, si vous voulez, et la diversité de dons et diversité d'opérations. Le don, le ministère que Dieu m'a donné, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Voilà, les œuvres de la sorcellerie. Il y a des preuves de la manifestation constante de Dieu dans mon ministère, dans ma vie et dans mon ministère, où les paralytiques sont guéris, les sourds entendent, les muets parlent. Et les œuvres de la sorcellerie sont détruites avant que je ne prenne mon avion pour venir sur Madrid, en Espagne. J'étais déjà 8223 sorciers délivrés. Donc nous délivrons les sorciers, nous les convertons, nous amenons la conversion et ces personnes deviennent des personnes utiles à la société et à la famille. Donc c'est pour dire le prophète Crasso, il a un ministère et en chaque chose, il faut tomber sur un spécialiste. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Vous êtes malade, vous allez demander de son médecin spécialiste. C'est en fonction de, n'est-ce pas, le rendez-vous et, n'est-ce pas, de l'activité des spécialistes dans votre vie que vous aurez, n'est-ce pas, gain de cause. En matière de sorcellerie, la destruction des œuvres des ténèbres, c'est l'onction que Dieu a donnée sur ma vie, mais sur ma vie, afin de pouvoir vous aider. Vous, toute la diaspora et ceux qui sont victimes de la sorcellerie, des maladies mystiques, etc. Voilà le prophète Crasso, que je suis le maréchal, je suis à Madrid, en Espagne. Vous qui voulez déjà, vous qui avez déjà appelé un grand nombre au secrétariat au niveau de Divo, qui est plus 225 47 07 23 28, je reprends, plus 225 47 07 23 28, plus 225 32 76 38 90, voilà, j'ai déjà de vos noms. Et d'autres aimeraient maintenant entrer en contact avec moi parce que déjà le mardi, parce que je voulais les recevoir au téléphone mardi, ils trouvent que c'est un peu tard parce que le fait de prendre leur billet d'avion venir sur ce matin, je trouve ça normal. Voilà, donc dès cette annonce, vous pouvez déjà rentrer en contact avec le secrétariat au niveau de Divo pour que les gens puissent vous donner mon numéro et vous rentrer directement en contact avec moi. Et c'est pas comme la dernière fois, il n'y aura pas de protocole cette fois-ci. Vous prenez le compte, vous rentrez en contact avec le secrétaire de Divo, vous rentrez directement en contact avec moi, afin que je puisse vraiment échanger avec vous par rapport à votre arrivée ici, comment vous serez hébergé, parce que nous sommes en train de voir, parce qu'il y a assez de monde qui sont en train de manifester l'envie de venir, voilà, votre hébergement, et comment nous allons vous aider spirituellement. Oui, bah, pour d'autres personnes, ça serait en privé, beaucoup en privé, si vous voulez, je serai beaucoup en privé, les actions prophétiques, et ceux qui aussi ont besoin d'huile d'onction, il n'y a pas de souci, vous verrez, c'est à Madrid. Je pense que les billets maintenant sont moins chers. Nous avons demandé, sont moins chers, ça va moins de 200 euros. Voilà, c'est vrai que nous sommes à haute saison. Voilà, donc les hôtels et pour les résidences, nous allons essayer de voir nos bien-aimés pour l'hébergement. Donc, dès après cette annonce capitale, vous avez le secrétariat depuis Divo. Plus 225 47 07 23 28 ou plus 225 32 76 38 90. Vous rentrez en contact avec mon secrétariat et vous donneront mon numéro personnel de Madrid. Si vous ne tomberez pas sur une personne, vous tomberez sur le prophète Joël Crasso que je suis. Voilà, Dieu a besoin de vous délivrer. Et il y a des gens qui ont eu cette tension. Voilà, ce n'est pas parce que je bavarde, pas parce que j'en vis, mais le Seigneur s'est beaucoup manifesté dans ma vie. Un homme que Dieu utilise pour aller maîtriser les dragons dans les termités, dans les villages, les sorciers sortent, ils font des aveux. Je disais comme ça à une conférence de presse hier avec des journalistes étrangers qui ont découvert cette onction spéciale dans la vie de l'homme de Dieu que je suis ivoirien, qui avait mal pendant la conférence. D'autres personnes pleuraient pour dire, mais les gens ne savent pas que tu es prophète Crasso, tu es une référence pour l'Afrique, parce que le même combat que tu as mené, c'est ce qui a mené le sorcier. Ils ont eu, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Comment Dieu vous a utilisé, et puis parmi ces personnes, il y avait une dame qui avait une tumeur qui a été miraculeusement guérie. Donc je leur ai dit, voici ça, on n'a pas besoin de faire d'efforts, qu'on a une onction de Dieu. Voilà une onction de Dieu. Donc accourez maintenant, je suis disponible, vous appelez le secrétaire, ils vous donneront mon numéro de téléphone, vous rentrez en contact avec moi pour vous recevoir. Voilà, donc j'ai toute cette semaine qui vient, des activités, vous recevoir ici à Madrid, afin de pouvoir prier pour vous. Voilà, donc, shalom à vous.
Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes serviteurs de Dieu. Et je suis en train de dimanche prochain, le samedi prochain, nous allons, n'est-ce pas, échanger avec les opérateurs économiques au niveau de l'Espagne pour pouvoir venir investir. Et nous aurons, n'est-ce pas, un cocktail avec tous les enfants spirituels. Voilà, donc shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Depuis Madrid, prophète Joël Crasso.